sommes déjà, quelqu'un m'a dit que nous sommes déjà plus de 200 et poussière. On a combien de partages? 157 partages. J'ai des révélations ce soir. Vous connaissez quand j'ai des révélations. Quand j'ai les révélations, je mets aux enchères. Alors, bonsoir tout le monde. Bonne arrivée dans l'émission Actualité de la Toile. Installez-vous confortablement. Prenez vos sièges. Serrez vos ceintures. Parce que je vais taper sec. Je vais dire ce que les gens pensent bas. Je vais taper sec. Ici, là, nous on parle, on n'a pas peur. Parce que c'est la team, c'est la famille, c'est la team de la vérité. C'est la team de... Non, vérité, c'est tricher. C'est ici, on tape sec, tout simplement. D'accord, d'accord, le jeune pétrolier. Hello. Je répète encore, pour tous ceux qui ont besoin de cette perruque, écrivez-moi sur le numéro épinglé. Ou alors faites votre dépôt, vous m'envoyez la capture d'écran, vous me dites là où je vais livrer, c'est tout. C'est pas compliqué. 268 personnes. Combien de partages? On regarde les partages. ...191 partages seulement. Il n'y a même pas les étoiles. Zéro étoile. Je vous dis que je viens avec le soco en temps réel. Je viens avec les révélations. Je viens avec les révélations. Il n'y a pas d'étoile. Vous faites le nyanga pour partager. Donc moi, je balade mon cerveau. Je ne vais pas chercher le soco. Je viens avec. Vous ne partagez pas. Vous ne mettez pas les étoiles. Vous me regardez, je vous regarde. En plus, je viens vous présenter les belles perruques comme ça. Voilà, la team de taper sec. Merci, Christelle. Vous me regardez comme ça, je vous regarde. Hein? Donc, je viens avec le soco. Vous me regardez comme ça, on se regarde. Et puis, vous attendez que moi, je vais donner le soco. Aujourd'hui, vous connaissez le principe de l'émission. À combien on va payer le soco de ce soir? À combien allez-vous payer la révélation de ce soir? Coucou, Lolo vous dépasse. À combien allez-vous payer? Les enchères commencent. On commence avec les étoiles. Nous arrivons à 15 000 étoiles et je lance la révélation. Très fracassante. Vous arrivez à 15 000 étoiles. Je sais que vous pouvez. Merci, Lolo vous dépasse. Coucou, Carly Douce. Je sais que vous pouvez. Vous allez d'abord le pouvoir dans l'émission Actualité de la Toile. Vous êtes d'abord des gens puissants. La team de l'Actualité de la Toile paye d'abord les informations chères. Avant que même je ne parle, ils payent d'abord. Quand la lionne vient déjà que j'ai l'information, la team verse d'abord sans me demander. Donc quand elle demande 15 000 étoiles, ça veut dire que vous allez d'abord, vous allez verser même 30 000 étoiles. Elle dit que la lionne ne nous flatte pas. Est-ce que vous... je vous flatte alors? Est-ce que c'est pas vrai? Vous avez bien lu le titre. Vous avez bien lu le titre. Alors, comme je disais tout à l'heure, bonne arrivée à l'émission Actualité de la Toile. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets à développer. Coucou Vivi Shop, merci pour les cœurs. Nous avons plusieurs sujets à développer. Nous avons le sujet. Nous allons décrypter le problème entre Stéphane et la grande blogueuse. Je vais vous révéler si la grande blogueuse a été interpellée ou pas. J'ai des petites révélations que j'ai eues. Maintenant, nous avons aussi le sujet du couple méchant. Voilà, on ne joue pas avec nos cerveaux. Nous avons aussi l'histoire que les Benguis restent toujours en Ben. Quand il y a un petit problème, ils menacent toujours les gens du Cameroun. Nous allons chercher à comprendre si
Il est possible qu'un benguiste menace quelqu'un au Cameroun et il s'en sort. Nous allons développer et comprendre s'il est possible, si une grande blogueuse peut menacer quelqu'un au Cameroun et il s'en sort sain et sauf. Je vous dirai si les rumeurs qui courent sur la toile est vraie ou pas. J'ai des graves révélations fracassantes. Alors, vous connaissez le principe. Dosez-nous les partages. Cognez-nous les étoiles. Je vous dirai si quelqu'un est gongata ou pas. Je vais vous dire ce qui se passe. Si quelqu'un est gongata ou pas. Je ne vais pas prononcer les noms. Je ne prononcerai aucun nom. Mais quand elle va speak, vous-même vous allez know que comme elle parle là, elle parle de tel. Il y a un autre Tintin qui dit que ton français n'est pas soutenu. Tu viens faire quoi ici? Va suivre les directs des Malène Nvoutou. Tu suis les directs des enfants de Fosso Vito qui font les directs là. Merci Lolo, vous dépasse. Va suivre les gens qui vous parlent le gros français. Tu viens ici là dans nos choses d'instant bracata. Hein? Tu viens ici là chercher le français. Toi qui? Nous on a les graves choses qui s'est passées. Peut-être c'est encore une autre information qui arrive. Hey! Wow! Ça cuit. Hey, hey, hey! Hein? Maman! C'est chaud. Mettez les étoiles. Coucou la Black Beauty. Mettez les étoiles, c'est chaud. De graves révélations, ça cuit. Ah, attaque, c'est parti, c'est go. Ça cuit. Ça cuit. Maman, je ne vois aucune étoile. Et vous attendez à ce que je parle. J'ai gâté le crédit de combien pour aller chercher l'information. Voilà ce qu'on ne fait qu'envoyer. Il faut que je télécharge ce qu'on m'envoie. Il faut que je télécharge ce qu'on m'envoie. Il faut que je mette le crédit pour appeler. Il faut que j'écoute les voix. Il faut que... Maman, donc je vous regarde, vous me regardez. Maman, personne n'a encore déclenché le groupe d'étoiles. On fait ça comment? Vous faites ça comment? Ok. Voilà, Vivi Shop. Voilà. Voilà le groupe d'étoiles qui est déclenché. Dosez-nous les étoiles. On a 15 000 étoiles. Je vous donne ma révélation. Les informations ne font qu'arriver. Ça m'étouffe. Il a dit qu'elle veut garder jusqu'à demain. Mon téléphone ne fait que faire clou glou glou clou glou 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 glou. Je suis déjà dépassée. Mon téléphone, ça me dépasse. Envoyez. Il a dit qu'elle m'a candy. Envoyez. Il a dit que j'ai les. C'est grave. Ça cuit. Mais Jean, ça cuit le tout si ça cuit jusqu'à tac. Ça cuit jusqu'à tac. Ça, Pamela, ça, il a dit que c'est fini. Mettez, bombardez les étoiles. Vous avez 15, vous connaissez que vous payez les étoiles chez nous. Vous payez l'information chez nous. La dernière fois, c'était à 10 000 étoiles. Aujourd'hui, l'information est grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez payer au moins à 15 000 étoiles. Mais comme vous êtes gentil, vous avez payé à 15 000. Vous n'avez pas payé à 30 000 étoiles. Vous avez... Le groupe d'étoiles est déclenché. Cognez-nous les étoiles. Voilà le groupe d'étoiles qui est déclenché. Vous voulez le renchériment. Vous voulez les informations. Vous venez me regarder, vous prenez le poster. Comme moi, j'utilise mon crédit. Je télécharge, j'appelle, je fais tout pour chercher le socle, pour venir vous donner la vraie information, pas les gnoc, gnoc, gnoc. Pour que vous me regardez comme ça et vous regardez. Vous connaissez comment la connexion. Vous avez vu comment Ducamé pleure la connexion, non? Vous avez vu comment Ducamé pleure la connexion, non? Hein? Je vais dépenser combien?
Vous-même, vous connaissez que la Lyon n'a pas assez de moyens. Que c'est vous qui allez soutenir le renchérissement de l'émission Actualité de la Toile. Vous connaissez. Alors, à 15 000 étoiles, je verse les révélations. Vous connaissez de quoi il s'agit. J'ai mis sur le titre. Il y a le problème de Stéphane et la blogueuse là. Je vais vous dire ce qui se passe. Je vais vous renchérir par rapport aux informations que j'ai eues. Par rapport aux révélations que j'ai eues. Tout d'abord, je vais commencer. Ah là là, merci Rosie Simo. On continue, le groupe d'étoiles est déclenché. Je commence d'abord par vous donner les conseils. Voilà, merci. Nous sommes déjà à 954 étoiles. Il manque, nous sommes déjà à 974 étoiles. Il manque encore 14 000 étoiles. Vous pouvez, je sais que vous pouvez atteindre 15 000 étoiles. Parce que vous soutenez d'abord l'émission Actualité de la Toile. Parce que vous aimez d'abord voir la Lyon propre. Parce que vous aimez d'abord quand je vous renchéris. Parce que vous aimez le soccer. Vous voyez comment les gens qui aiment le soccer du cinéma ont mis Aïcha Kamoaz en haut. Vous-même, vous pouvez me mettre en haut. Parce qu'elle vient vous renchérir par rapport au soccer de notre couloir. Donc vous-même, vous pouvez me mettre en haut. Nous sommes déjà à 1074 étoiles. On a besoin de 15 000 étoiles pour sortir le soccer. On a besoin de 15 000 étoiles pour renchérir et pour sortir les révélations très fracassantes. Terriblement fracassantes. Ne regardez pas les gnoc que les gens font dehors là. Ça cuit. Voilà, nous sommes déjà à 1174 étoiles. Ça cuit jusqu'à tac. Il n'y a personne qui a pris le courage, qui va prendre mon courage pour vous dire ce que je vais vous dire ce soir. Ok, je vais d'abord bloquer. Vous voyez comment ils viennent déjà insulter, non? Je n'ai même pas encore parlé. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Quelqu'un vient déjà insulter. Tu as peur de quoi? Lolo vous dépasse, mets les étoiles. Je n'ai pas encore vu ton nom. Voilà le groupe d'étoiles qui est déclenché. Il manque 39 minutes. Et on a besoin de 14 000 étoiles. Nous sommes encore à 1174. On a dit que donc, quand tu as mis à l'école des étoiles. Non, moi encore, je peux vous donner les raisons. Je suis une petite fille. La petite fille de ça. Je suis une jeune Camerounaise qui vit au pays. Coucou, FMA Fauchou. Je vis au pays, je me débrouille. Le crédit coûte énormément cher au Cameroun. Donc si je dépense, si je viens vous expliquer, est-ce qu'elle a même besoin de vous expliquer? Donc c'est une Benguise ratée. Elle a vécu en Benguise. Ben lui a dépassé, elle est rentrée au Cameroun. Donc vous n'avez même pas besoin de l'aider. Elle est allée chercher l'argent. Elle a cherché l'argent, elle a donné à l'homme. L'homme a mangé, là voilà qui est dans le pays. Elle supplie les étoiles comme moi, comme les filles du... Normalement vous allez faire le salaka aux filles du pays comme moi. Hein? Vous allez faire... Oh merci Sims. Pourquoi mon cœur? Pourquoi ma faux chou, ma faux fleur? Merci. Nous sommes à 1224 étoiles. Il manque 13247 étoiles. 46 étoiles. Vous pouvez. Je vous connais, vous pouvez. Vous pouvez. Je disais tantôt, donc c'est une rate-rate de Mbeng. Vous lui donnez... Coucou Pélagie, vous lui donnez les étoiles. Ça ne va pas enlever votre dos. Ah, merci, maman Yidamou Douzihéa. Nous sommes à 1274 étoiles. Vous allez arriver. C'est 15 000, ce n'est pas beaucoup. Nous sommes déjà à 1274 étoiles. Vous pouvez. Je vous connais. Vous pouvez. Parce que vous aimez d'abord l'émission Actualité de la Toile. Donc, quand ça a raté sa vie en Ben, elle a pris l'argent. Elle a construit la maison à un homme. Je ne l'insulte pas. Merci ma Choco d'amour. Nous sommes à 1374 étoiles. Elle a raté sa vie. Merci Vivi Shop. Nous sommes à 1374 étoiles.
Il manque, nous sommes à 1400, oh là là, ça monte et les enchères montent. C'est pour ça que je vous aime. Vous, c'est-à-dire que vous me donnez d'abord l'onton de ça, maman. Vous me donnez d'abord l'onton de ça. Nous sommes déjà à 1414 étoiles. Dorcas a raté sa vie en bain. Elle a pris l'argent, elle est venue construire à l'homme qui est en train de manger tranquillement. Parce que moi, je ne peux pas aller vivre en bain. Ce n'est pas le clash, je dis ce qui est vrai. Souvent, vous dites ici que l'alien occupe des choses du pays. Nya, 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 nya. Est-ce que je vous gronde? Je ne vous gronde pas et vous dis la vérité. Elle a raté sa vie en bain. Parce que je ne peux pas être en Amérique. Je viens envier une fille qui vit en France. Je suis mariée, j'ai les enfants, j'envie une célibataire. Alors que je vis en bain, je vis aux States en plus. Je ne peux pas. Vous expliquez ça comment? Non, moi je ne clash pas. Hein. On rancherie seulement. Vous pouvez expliquer ce phénomène. Vous-même, dites-moi, si vous pouvez être aux States, à son âge là, vous rentrez au pays, vous vendez les macabos. Vous errez dans l'air, c'est-à-dire que moi-même qui vis en bain, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disent que la lionne là rayonne. Parce que moi je vis en bain, je vis au Cameroun, mais je n'ai pas encore vendu le macabo. Même nos mamans qui souffrent, même ma mère qui vend la nourriture, n'est pas encore allée sous le nez pour vendre le macabo. Je ne me moque pas. Mais en tant qu'une femme qui s'est vantée qu'elle vit aux USA, dans l'émission Actualité de la Toile, nous on n'insulte pas, on dit la vérité. Voilà mes mains soulevées. Nous sommes à 1414 étoiles. Il manque 13 600 étoiles. Comment vous expliquez une dame qui vit aux États-Unis, qui a vécu aux États-Unis pendant au moins 20 ans, qui se retrouve en train d'être la chinda d'une femme qui vit en France, qui n'est même pas mariée. Ce n'est pas une injure. Je pose juste la question si ça s'explique. Une dame qui vit aux États-Unis, mariée avec les enfants, elle a signé derrière les femmes célibataires de la toile. C'est-à-dire que moi, elle veut comprendre. Vous savez que dans notre émission, on n'insulte pas. Non, pardon, si j'ai insulté, pardon, pardon, si j'ai insulté, demandez pardon à ma place. Mais ce qui est sûr, je n'insulte pas, je veux juste comprendre. Comment tu peux dépenser en énergie, te retrouver dans le pays de Barack Obama? Tu fais près de 20 ans dans le pays de Barack Obama. Tu construis une maison au Cameroun. Pour un homme. Tu envies la vie des femmes célibataires de Paris. Moi, j'ai seulement envie de comprendre ça. Tu arrives au Cameroun, tu vends les macabos. Tu vends les macabos. C'est-à-dire que... Tu ne vends même pas les cosmétiques. Les Karim ont vécu au Cameroun, elles ont développé les business, elles sont en haut aujourd'hui. Toi, tu as vécu dans un pays où on apprend tout, on donne tout presque gratuit. Il y a un développement pas possible. Nous sommes à 1414 étoiles. Nous avons besoin de 15 000 étoiles. Pendant que je parle... Pour vous renchérir sur l'actualité de la toile, continuez à bombarder les étoiles. Parce que nous avons des révélations ce soir. Ça, c'est l'entrée. Et ce que je dis, c'est pour sensibiliser les jeunes qui viennent de partir aux States. J'aimerais inviter ces jeunes de ne pas suivre cette femme. Parce que si vous suivez cette femme, vous allez rater votre vie. Coucou bébé Péri le lion. Vous allez rater votre vie. Une dame fait près de 20 ans aux États-Unis. Je ne clash pas. C'est-à-dire que c'est un truc logique.
que si peut-être que sa mère était encore là, sa mère pouvait l'insulter avec. Sa mère pouvait l'insulter avec. Christelle, ce n'est pas un problème de l'agriculture. Quelle agriculture? Elle a récolté combien de sacs de macabo? Le mari a tout niang. Tu parles de quoi? Tu crois qu'elle peut encore récupérer l'argent sur les sacs de macabo là? Non, parlons toi, entre toi et moi. Tu penses qu'elle peut encore récupérer quelque chose là-bas? Moi, j'ai envie de comprendre ça. Tu pars au stade, tu fais plus de 20 ans, tu rentres, tu tapes les sacs de macabo et tu insultes les femmes de Paris, les femmes célibataires. Tu signes sur eux, on te dit laisse, tu veux montrer que non, tu es forte. Ah, tata Emma Luna, on a besoin de 15 000 étoiles pour taper sec. Tu quittes du stade, je te dis qu'elle périt le lion. Moi j'ai envie de comprendre, hein. J'ai envie de comprendre le phénomène là. Donc je quitte ici comme ça, kounia kounia. Je pars, je travaille en Amérique. Donc au lieu de venir ouvrir une usine, une société, pas possible. Au lieu de devenir comme les Karimo, au lieu de faire comme les Murier Blanche, je viens taper les sacs de macabo. Non, moi j'ai envie de comprendre. C'est comme ça que ça fait. Je viens signer sur les femmes de Paris. Alors que tu sors du state, c'est elle qui devait montrer l'exemple. Ce n'est pas ma faute qui devait venir montrer les exemples. Ou bien tata Lolo, tu devais être devant elle avant de taper les mains sur la poitrine. Je dis la vérité, je ne te clash pas. Tu n'as rien à dire devant ces femmes. Tu as échoué. Tu as échoué ta vie dans tous ses sens. Regarde comment les femmes célibataires de Paris te parlent avec mépris. Avec mépris. Même moi qui vis au pays, mes gens, je n'ai pas cette vie. Le cadre de vie, n'en parlons plus. Sale. Pardon, on ne veut plus vivre ça sur la... Ah, oh, tata Emma Luna, merci. Nous sommes déjà à 2914 étoiles. Nous sommes déjà à 3000... Quand tata Luna est déjà là, non, non, mais quand même, quand elle est là, je sais que non, ça va arriver à 15 000 étoiles. J'ai envie de comprendre parce que ne nous découragez plus d'aller en bain. Ne venez plus nous décourager d'aller en bain. Parce que la sale vie que vous nous montrez là, ça décourage les gens. On se demande que merde. Donc tu peux aller vivre 20 ans. Tu souffres. Tu rentres seulement avec les sacs de macabo. Ah, merci Tchakout. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Il y a dit que 15 000 étoiles va sortir ici. 15 000 étoiles va sortir dans l'émission Actualité de la Toile aujourd'hui. Maman, dans le pays de Barack Obama, tu viens commencer à ta retraite, tu discutes les étoiles avec les enfants. Donc comme moi, je suis en train de commander l'étoile. Tu t'assois au Cameroun avec les sacs de macabo à côté de toi pour demander les étoiles. Alors qu'à mon âge, je n'ai même pas, j'ai traversé juste le Cameroun pour aller au Nigeria. Voilà, tout le monde à TikTok, merci, attends, merci, je vais épingler. Je profite devant 400 et poussière de personnes que dès que j'arrête le live, nous tous allons nous retrouver sur TikTok, sur la page de la Mafo Flore de Lille. C'est la première révélation de ce soir, la deuxième c'est la fracassante. Nous tous allons se retrouver sur le TikTok. De la reine mère, son match c'est tout à l'heure à 23h59. Continuez de bombarder les étoiles. La révélation arrive. Ça c'est encore les entraînements. Donc je disais que comment une mère peut quitter des États-Unis ayant fait des années? Elle n'a pas eu de frais qu'elle a payé pour qu'il voyage. Elle n'a pas payé telle personne. Peut-être qu'elle a peut-être donné la à son mari, la chop. Combien d'années? Pourquoi vous faites honte aux gens comme ça? Et puis ça vient crier sur les réseaux sociaux. Akbar, Lolo, Akbar, Flo, moi. Mais c'est pas tes amis, putain. Mais ces deux femmes, elles ont réussi leur vie par rapport à toi. Bah oui. Elles ont réussi. Ma faute, on ne peut même pas mettre ma faute dedans parce qu'elle t'a alors dépassé grave.
elle t'a jeté comme une ses pierres. Une dame qui a construit la maison à sa mère. Sans compter qu'elle est en train de construire. Tata Lolo même, ses parents ont les dos. Toi que tes parents ont misé sur toi, tu es arrivé au state. Coucou, c'est comment ma FP? Tu es revenu au Cameroun. Tu es plus pire que la lionne. Emma Luna, appuie ma tata. Appuie les étoiles. On a besoin de 15 000 étoiles. Parce que tout à l'heure, on va jeter les cadeaux sur TikTok aussi. On va doser les cadeaux. À ton âge, tu quittes des États-Unis. Tu viens t'installer au Cameroun. Tu prends les sacs de Macabo, tu mets à côté de toi. Donc un jeune va se lever et dire que je pars aux États-Unis travailler l'argent. Que je vais payer les... Je vais venir cogner l'agriculture. Donc pendant que les jeunes Camerounais développent l'agriculture, toi aussi tu viens les bousculer. Pour récolter les un sac de Macabo par mois. Hey! Wow. Hein, maman? Pour venir récolter les un sac de Macabo par mois. C'est-à-dire que pour venir ouvrir le bar, si c'était que je voulais faire le bar, c'est que j'ai fait le bar, mon bar devait dépasser ta part. Oh, merci Chakunte, nous sommes déjà à 5415 étoiles. Il manque 10 000 étoiles. Non, il manque 9600 étoiles. Vous pouvez, dès que c'est 15 000, vous me dites, je sors le soco. Tu viens au Cameroun, tu pars, tu clashes les dignes femmes qui ont lancé les gros chantiers pour eux-mêmes, pour eux, c'est-à-dire ça les appartient. Tu clashes les gens que leurs parents leur ont laissé les duplex, les maisons en étage. Tu clashes les gens qui ont fait venir les... C'est-à-dire que moi, je suis dépassée. Je suis choquée. C'est-à-dire que quand on te voit, Madokas, ça décourage un jeune d'aller en bain. Parce qu'on se demande que donc je peux aller en bain. Et je rentre, je fais ça. Je peux aller en bain. Et ma vie devient triste comme ça. Je peux aller en bain. Je rentre, je suis une djouksa comme ça. Je peux aller en bain. Je rentre, ma maison n'est jamais finie comme ça, Adama. Maman, ça ne donne pas envie. Mieux, tu vends tes bonbons sur la tête. Tu cotises, tu construis, tu payes les sacs de Macabo, tu vends. S'il faut aller en bain, dépenser le transport, aller en bain. Cogner le Djokbassi pour revenir acheter, cultiver les sacs de Macabo pour vendre. Mieux, tu restes au Cameroun cultivé. Dans nos plantations au village, il y a toujours les terrains de nos patrons. Il y a toujours les terrains de nos parents. Tu peux demander une parcelle là-bas. Tu cultives. Parce que tu n'as pas besoin d'aller faire 20 ans en bain pour venir acheter les parcelles au fin fond. C'est-à-dire que dans les endroits qu'on te vend, on te vend 500 000 et on te donne encore 500 000 gratuits. Et puis vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux pour intoxiquer la jeunesse. Et puis dit que certains ne sont pas les exemples. C'est malheureux. Tu fais partie de la première femme qui est partie vivre aux États-Unis, qui est rentrée bredouille. Je suis sûre que ça avait l'argent que les enfants travaillent, que tu es encore en train de taper les papins sur le bas du quartier. Même le bas du son loulou qui est à l'entrée de mon quartier là n'est pas comme ta part. Aucun luxe. C'est-à-dire que parfois même il y a les bars du quartier, mes gens. Que tu arrives, tu as le ton de t'asseoir. Vous connaissez, non? Quand vous êtes au bled, tu as le ton de sat. Les bars qu'on a un peu géré avec la propreté. Les petits gazons verts comme ça. L'engardien n'a pas servi les clients avec un vieux cabas. Les cabas, qu'est-ce qu'il fait comme ça là? Vous connaissez quand on fait comme ça sur la bille? L'odeur! Elle a fini d'aller préparer avec le cabas à la cuisine. Le même cabas, c'est avec ça qu'elles sont servies les clients au bar. Quel genre de bar? Quand tu vois les petites filles qui investissent ici au pays,
dit qu'elle va ouvrir, même si c'est un petit bar comme ma chambre ici, comme ça. Je vous assure, elle honne d'abord l'endroit. Quand tu t'assois, elle te dit que la bière, c'est 1000 francs. Toi-même, quand tu payes, tu dis waouh. Regardez ma chambre. Demandez-lui de montrer sa chambre. Regardez comment je suis. Voilà ma chambre, je ne vous cache rien. Regardez comment c'est rangé. Regardez comment c'est propre. Je vous ai montré. Souvent, je mets ma maison sur. Quand je vois la Yenne et Boukina. Et demande qui est réellement Bengi, soit Bengi, tu vas me finir. Je vous montre tout. Tout est propre. Nous sommes propres. Les jeunes filles sont propres. Tu fais 20 ans en Beng. Tu viens au Cameroun, taper le cabas sur toi comme ça, tu fais woub, l'odeur sort. Jusqu'à le jour où tu fais le make-up, tu te dis que tu as tué. Le jour où tu fais le make-up, tu fais le grand clash. Ah, la diosa sap online. La diosa. La reine même a son match tout à l'heure sur TikTok. Faut venir l'envoyer les pièces, ma soeur. C'est-à-dire que voilà une petite fille comme la diosa. La diosa fait renover sa boutique chaque un an. C'est-à-dire que si tu dis que tu veux tricher le décor de sa boutique, tu vas venir l'année prochaine, tu vas plus voir la même chose. Tous les abeilles, les lionceaux, les lolomania et les tekas, tous les sympathisants là qui sont déjà venus chez la diosa, quand ils entrent d'abord, ils disent waouh, c'est une petite fille. La diosa, c'est ma petite soeur, pas de très loin, mais c'est ma petite soeur. Oui, tout à l'heure, 23h59, je vais t'envoyer le lien. C'est-à-dire que une petite fille, elle fait renover sa boutique chaque après un an. Ce n'est pas le clash Perry. Je te dis, c'est bien de préciser ça. C'est bien de préciser parce que quand on va parler, les gens vont croire que peut-être c'est le clash. Je ne peux pas te clasher. Mes abonnés n'aiment pas ça. Devant 500 ou 15 personnes, je vais te clasher. Pourquoi? Quand la diosa entre, qu'elle se met à distance de sa boutique, elle se rassure que les vitrines, elle utilise le liquide vaisselle pour laver les vitres du shopping. Et c'est-à-dire que tout ça part dans ses dépenses. Oui, c'est ma petite soeur. Une petite fille. C'est-à-dire que quand moi-même avant, quand je n'étais pas tombée avant de me relever, quand j'ai fait mon petit shopping, c'était un petit luxe. C'est-à-dire que tu viens, tu quittes des États-Unis. Tu viens au Cameroun ouvrir le bar Poula Poula. Avec les odeurs. Le corona pour partager à tout le monde. Zéro propreté. T'es qu'elle propreté. T'es qu'elle hygiène. Parce qu'il faut bien que si le pays c'était normal, c'est que l'hygiène et salubrité te trouvaient là-bas. Tu fermes une fois. Tu fermes. Parce que ce n'est pas. Ton bar n'est même pas hygiénique. Hein? Venez ici en cause. Hein? La sueur. Jusqu'à l'autre jour, tu as tapé le make-up. Sort de chute aussi. Ngawo. Tu me dépasses. Ouais. Tu me dépasses. Tu as chomé un petit rouge à lèvres. Petit rouge à lèvres. C'est-à-dire que petit rouge à lèvres. Les rouges à lèvres que les abeilles m'ont déjà donné ça fatigué. Je vous ai montré ça l'autre jour. On m'a partagé ça fatigué des États-Unis. Voilà les parfums que les abeilles me gardent. Je marche avec ça dans mon sac. Les lips. Tout ça. Hein? Qui vient des États-Unis. Quand je mets ça sur mes lèvres, on sent que j'ai mis quelque chose sur mes lèvres. On sent que j'ai mis ça sur mes lèvres. Tu viens des États-Unis. Tu viens acheter le rouge à lèvres en Bopi. En Bopi. Elise Battante lance l'appel. Je prends. Ah, ça dit que impossible. Elle veut dire quoi? Elle veut me soutenir. Ou elle veut venir expliquer quoi? J'ai dit que je vous montre.
outre les pas. Ça, c'est maman Flokunga qui m'a gardé. Regardez un peu là où je garde mes produits. Tout ça, c'est les gens de Mbeng qui me gardent. Là où je garde mes produits. Oh là là. Voilà un peu ça. Ouh. Voilà un peu. Chargé comme le pain. C'est les Benguis qui me gardent ça. Maman, tu sors de Mbeng. Elan, elan. Ce n'est pas le clash. Ceci n'est pas un clash. Ceci n'est pas un clash, c'est un alerte pour dire que ceux qui voyagent là. Ok, d'accord. D'accord. Hein? Ah bon? Mais maman qui sont là. Ah bon? Oh. Maman, j'ai vu son appel, j'ai pris ça à tourner. Oh, oh. D'accord, d'accord, Effie. D'accord, mes gens, j'ai compris, on continue. Nous sommes à 5415 étoiles. Dosez-nous les étoiles. J'ai compris, FP, Flo, à vie, j'ai compris. J'ai compris, ne vous inquiétez pas. J'ai compris, mes gens, j'ai compris. Ok. J'ai compris, je ne prends pas. Donc, tu sors des États-Unis. Il n'y a même pas une perruque dans ton sac que tu as réservée. Quelqu'un demande le nom du TikTok de la MAFO. Mettez le nom du TikTok de la MAFO. Tout à l'heure, on se retrouve à 23h59 pour le grand match de la MAFO. Réservez les lions, les cadeaux. Ça va pisser fort là-bas. Oh là là, Tata Nancy Jelly est arrivée. Nous sommes à 6415 étoiles. Il manque 9000 étoiles. On a besoin de 15000 étoiles. Tu quittes des États-Unis. Tu ne gardes même pas une perruque comme celle-ci dans ton sac pour venir Mimba avec. Tu quittes Kounia, Kounia, Elan, Elan. Tu viens ici, le jour où tu fais un peu le make-up, tu mets le make-up, tu prends le Kouchambeng, tu comptes sur toi et tu clashes les gens avec. Tu clashes qui? En plus, t'attends Lolo qui a les sacs de perruques. Gawo, les fesses, wo, le rouge à lèvres. Il manque 8400 étoiles. Merci. Une femme mariée qui a vécu aux États-Unis, avec les enfants, discute quoi avec les femmes célibataires? Depuis là, j'ai envie de comprendre. Une femme mariée avec les enfants, sort d'où dans le poula-poula, en train de discuter les étoiles avec le bas poula-poula. Si tu veux, tu me clashes, mais dis la vérité. Je te dis ta vérité sans te clasher. Je ne t'insulte pas. Mais toi, tu vas m'insulter. Merci, ma Angelo. Ma Angélie d'amour, Tata Nancy. Nous sommes à 7015 étoiles. On a besoin de 15000 étoiles. Il manque encore 7000 et poussière. Vous pouvez. Et puis, tu te prends pour la reine qui doit s'asseoir pour donner les leçons aux gens. On n'a jamais vu comment tu poses la mamie pour rôtir quelque chose. Voilà. Attendez. Bon, je suggère que quelqu'un rédige un bon FP avis. Essaie de rédiger un bon message avec le nom du TikTok de la reine mère. Tu envoies un peu pour le match de tout à l'heure. J'épingle. 7900. Nous sommes à 7900. Oui, il manque 7985 étoiles. Vous pouvez. Vous pouvez. On aura 15000 étoiles ici, là. Et ça ne chauffe pas. Sans insulter, on dit seulement la vérité, on quitte ça. Tu quittes des États-Unis avec tous les lips qu'il y a. Ici, là, quand je commençais mon live, j'achetais mes lips en Bopi. Les gens disent que la lionne, au fur et à mesure, mes tatas m'ont gardé les lips. Je marche avec ça. Ça, c'est un sac de chez La Dioza.
bon cuit. Je mets toujours mon lips, mon parfum, que vous voyez, je sens toujours bon. Dernièrement, je monte sur la moto avec une de nos soeurs, la Didi Glams. Elle me dit que, la lionne, tu sens bon, c'est quel parfum? Je dis, mais attends, ma maman floque, ma gardien pas. J'ai directement ouvert mon sac, je dis, mais voilà, elle dit que ça sent bon. Toi, qui vis en bègue, tu ne te procures rien de bon. Tu te contentes de poser ta caméra à 50 ans pour clasher les gens. Donc, on te dit, sois de la bêtise. Tu te décides jusqu'à tu cherches un général pour venir clasher les gens. Donc, tu te décides à t'asseoir sur les clashs à ton âge. À l'âge que tout le monde veut sortir. À l'âge que tout le monde fuit les clashs. Tout le monde est fatigué des clashs. Coucou Mayam, c'est comment? Ah, la tata est malouna. Nous sommes à 7515 étoiles. Mayam Sistou, pardon, récupérez votre colis, vous partez avec. On ne veut plus voir ça ici. Nous sommes à 8015 étoiles. On doit atteindre 15 000 étoiles sans insulter. Nous allons montrer à ces vieilles femmes, à ces vieilles chouettes qui ont raté leur vie aux États-Unis que même sans clasher, on peut vous donner les étoiles. On renchérit juste, on vient avec les bonnes nouvelles et les gens vous envoient les étoiles. N'oubliez pas qu'on a match tout à l'heure sur TikTok, sur la page de la MAFO à 23h59. Merci, j'épingle. Tu quittes aux États-Unis, Kounia. Yannicke, Rebem Biaï, Massistou. Voilà les parfums que les Bengis me gardent. Voilà, je marche avec tout ça, les lipso, les bassesio. J'ai épinglé Péri. Regarde avec quel sac je marche. Tu vas la voir si tu l'invites quelque part. Elle va venir avec un vieux sac. Avec un vieux sac, si tu la terre va dire que j'ai investi mon mari et moi. Mais attends, mais quand si tu meurs avant ton mari, il va prendre une nouvelle femme, il baise sur ton lit. Il binda un gars sur ton lit. Oui. Voilà, ma sistou. J'ai dit que, ouais. Quand les Bengis me gars, ils disent que waouh, donc il y a les bonnes choses comme ça. Mais quand tu vois les femmes, tu prends l'éponge métallique, tu mets sur ta tête, tu prends le rouge à lèvres de Mbopi pour clasher Tata Lolo qui a les sacs de perruques des Indiens, les tubes. Jusqu'à les gens avec même coche Tata Lolo que son héritage, c'est les perruques. Hé, Lolo, viens-y. Voilà la maison de tes parents là-bas. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce détail. Même la vieille maison de mon père qui est à Bafoussam dépasse pour toi. Toi qui as vécu en Beng, qu'est-ce qu'il y a de suer les gens? Ah, Tata Emma Luna, nous sommes à 8500 étoiles. Mon père qui vit à Bafoussam, qui a construit à Bafoussam, sa maison est mieux. Sorti même 2 millions pour retaper la maison familiale. Non. Oran Hetu ba poula poula. Elle a ouvert le ba poula poula. Hetu ba poula poula. Hein? Pour recevoir tous les soulas du coin. Même pas les soulas qui payent. Même pas les soulas qui peuvent même te draguer ou bien t'offrir une bouteille de vin ou acheter les bouteilles de vin. Le poula poula. Même mon père qui est au village ne peut pas ouvrir ce genre de bar. Je n'insulte pas. Je parle vrai. C'est-à-dire que je dis oh, ce que les gens pensent bas. Et ça, c'est une vérité. C'est souillant. C'est souillant. T'es chantier ou qui t'engawa. Hein? Tu me peur. Avec les robes qu'on vend ici à
même chez la Diosa Shopping, non? Viens chez la Diosa Shopping acheter comme les Benguis capables, les abeilles et consorts que je vois. Elles viennent ici, elles ont d'abord leurs vêtements. Mais elles viennent encore acheter les robes de 80 000, 60 000. Elles se mettent à distance, elles commandent les marchandises de près de 200 000. On les apporte ça là-bas. Après, elles viennent ici, elles tchomènent. La Diosa fait souvent les soldes des sacs, les vêtements, tout genre. Pour habiller les gens, tu peux jongler chez eux. Et les robes, parfois que la Diosa solde, les robes de 6 000, 6 500, les belles robes, les belles couleurs. Regarde cette perruque, elle coûte seulement 30 000. 30 000! Tu viens nous servir le bar poula poula, après 20 ans en bain. Tu viens nous servir les robes que ma grand-mère, à l'époque de ma grand-mère, quand ma grand-mère disait que elle part au marché t'acheter la bille, elle partait prendre ça à 350. Elle vient te garder ça. Tu prends, tu gardes l'eau, tu jettes, ça devient la serpillère. Les malinas, c'est comme ça qu'on appelle ça en patois. Les malinas, les vêtements des veuves, ce n'est pas un clash. Ce n'est pas le clash. Je vous dis la vérité. Non, non, c'est pas avec la frontale. C'est pas avec la frontale. Il y a déjà les gens qui ont commandé. Je crois qu'il y a déjà peut-être 3 commandes là. Donc, pour ceux qui en ont besoin, le stock est minime. Je vous ai dit, c'est disponible à 30 000 et 50 000. Pour ceux qui ne veulent pas trop touffu, c'est comme ma passe-ci. 30 000. Pour ceux qui veulent touffu, c'est 50 000. Et pour ceux qui veulent avec les grosses boucles, c'est 100 000 francs. Vous connaissez, non? Je vous présente souvent ce qui a les grosses boucles. C'est 100 000 francs. Ah, oh, merci, tata. Nous sommes bien à 10 000 étoiles. Putain de merde. On va atteindre 15 000 étoiles. Sans insulter. Sans insulter. Prop. Sans se casser. Parce que je sais d'abord que... Mais vous êtes d'abord... Mais vous êtes d'abord prêtes. Vous les adeptes de l'émission Actualité de la Toile, vous adorez d'abord me soulever. Oui. Et les t-shirts comme ça, qu'on solde chez la Diosa. Moi-même, j'ai ramassé ma part là-bas, deux. Un jaune et un gris comme ça pour faire mes directs. Tu prends ces creta, 3 000. Bon coton. Tu prends, tu ramasses même 5 variétés. Quand tu t'assois comme ça, on ne voit pas ton bas. Tu es propre, ça fait comme si tu as acheté les vêtements. Ça fait comme si tu as acheté les vêtements. Beaucoup de vêtements, alors que c'est un même modèle, mais de plusieurs couleurs. Les boucles comme ça, il y a les boucles de 5 000, il y a les boucles de 3 000, il y a les boucles, ça dépend. Tu prends, tu piques les petits trucs comme ça, tu es belle. Maman, 20 ans aux États-Unis, dans zéro. Le mariage raté. Parce qu'une femme qui est épanouie, dans son foyer, elle ne peut pas se retrouver en train de discuter avec les femmes célibataires sur Facebook. Pompez les cœurs, mes gens. Moi, je dis la vérité, je n'insulte pas. Une bonne femme épanouie ne serait pas en train de discuter avec les célibataires de Facebook comme les nous. En train de combattre avec les enfants. En train de créer une autre vieille peau qui vend vraiment. Non, vous avez fini avec. Vous avez fini. C'est que vous suyez les benguis. C'est parce que je connais les benguis valables. Sinon, j'aurais dit que presque tous les benguis sont comme ça. Vous suyez les benguis. C'est mieux que vous rentrez. C'est mieux de rentrer. Dorcas a arrêté la main de Boumkena avec les vêtements. Les deux, même chose. Pourtant, les barantés sont élégants. Regardez comme quand rêves sont même souvent. Sexy, simple, mais sexy. Regardez la mafo. Mais c'est-à-dire que moi, je suis dépassée. Hein. Non, la mafo n'est pas parentée. Je suis dépassée. Il ne faut pas beaucoup. Il y a les petites belles robes, les petits trucs. Regardez cette robe. Elle coupe peut-être dans les 7 000. Les petits trucs comme ça. Dès qu'il y a du tout, tu te mets sur toi, tu es belle. Quelqu'un vient des États-Unis. Des États-Unis avec l'éponge métallique remplie dans sa valise.
Les robes de 350 au Cameroun. Les robes que les mères achètent pour doubler, aller au champ, au village avec. Amen. Mettez les étoiles, mes cœurs. Nous, on a besoin de 15 000 étoiles pour sortir le sort. Les robes qui n'ont pas de sens, on va faire comment pour changer cette femme? Parce que j'ai cru que quand peut-être la dieuse devait même faire les soldes, elle devait venir dire qu'elle pique. Vu qu'elle est au Cameroun, elle pique quelque chose, ça, elle fait ses directs avec. L'engagé vu ignoré, elle continue elle, à aller piquer les robes de 350. Ah, tata Nancy, nous sommes à 11 000 étoiles. Elle continue, elle, tranquillement, d'aller piquer les robes de 350. Elle peut me piquer les... Je vais vous montrer. La combinaison qu'elle tourne mes fesses avec, on vend ça à 250. Mais quand tu piques, même, tu as les choix. Tu as les choix. Là, j'ai fait le TikTok avec ça. Vous avez vu comment j'étais belle avec? Parce que j'ai piqué une belle couleur. Il y a même le choix du moins cher. Il y a le choix du moins cher. Tu peux te mettre, tu achètes les malinas. Vous avez connu à l'époque quand votre grand-mère vous amenait au village, au champ. On vous donnait souvent les robes de doubler sur vous. Vous vous rappelez, non? Vous doublez sur vous. Au moins trois, c'est le genre de robe là. Avec les doublures qui se déchirent. Les doublures. Plus que tu restes comment la chaleur peut te tuer dedans avec à Douala. Les doublures que la chaleur peut te killam. Les cheveux, n'en parlons plus. J'ai fait la publicité de Sewa Beauty pour ceux qui n'aiment pas se coiffer. J'ai dit, allez acheter la gamme de cheveux Sewa Beauty. Tu utilises ça sur tes cheveux. Quand tu peignes tes cheveux, ça tombe. Tu es belle avec ça brille. Quand tu teintes tes cheveux, tu mets lui Sewa Beauty dessus. Ça tombe, ça brille. J'ai donné tous les secrets. C'est-à-dire que je suis dépassée. Je suis dépassée. Crie même que voilà les bâtons parfaits Bangladesh. Allez acheter. Voilà les bassins Sewa Beauty utilisés bien que ça brille sur vous. Voilà, on a tout proposé sur la toile. Mais vous restez toujours sale. Sale. On fait comment maintenant? On vous propose quoi? On vous propose quoi? Puisque Sewa Beauty, quand tu utilises sur tes cheveux, ça fait comme si tu as mis tes cheveux au casque. Tu es toute belle, sans toutefois même mettre la perruque. Quand tu nattes, même les lignes brillent. Elle vit en Amérique comme toi. Donc tu peux même commander à tes enfants. Tes enfants viennent, on te livre, ils t'apportent même ça ici. Rien. Rien. Rien du tout. Depuis que tu es au Cameroun, même le jour où tu nous présentes ta façon de t'amuser, tu es dans le poula-poula. Hey, Seigneur Jésus. Waouh! 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 Le jour que tu viens, tu montres comment tu t'amuses sur le poula-poula. Aucun respect pour toi, la Bengis. Aucune dignité. Elle te fait rien du tout. Tu amènes ton gars là où les wakavons vont être. C'est-à-dire qu'il va même attraper la syphilis là-bas. Parce qu'il y a les wakadeluxe, ouais. Il y a les wakadeluxe. Amène ton mari là où il peut même éviter la chaude pisse. Allô? Allô? Amène ton gars même là où tu peux éviter tout genre de
Donc, mes cœurs, on continue l'émission. Ça, c'était juste un rappel pour Madokas. Vraiment, laisse ce que tu es en train de faire. Ça ne t'honore pas. Ça ne te ressemble en aucun cas. Ça ne t'honore pas. Ça ne te ressemble pas. Reste dans ton coin de mamie. Positionne-toi dans ton coin. Tu restes tranquille. Quelqu'un te provoque, tu sors répondre. Tu réponds même d'une façon responsable. Et quand elle va dire comme ça, demain tu vas sortir, fais comme Boumkena. Actualité de la toile, tu vas mettre ça. Tu crois que ça me fait quoi? Ça ne me fait rien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Donc, on continue. Nous sommes à combien? Nous sommes à 11 000, 15 étoiles. On a besoin de 15 000 étoiles pour sortir le soco. 15 000 étoiles. Vous savez que vous payez le soco à 15 000 étoiles. Nous sommes à 11 000, 15 étoiles. Donc, vous allez perdre le soco de ce soir. À cause de combien d'étoiles? Vous voilà, vous êtes 541 personnes. Il y a même combien de partages? 300 partages seulement, maman. Hey! Non, vous êtes fort. Vous êtes seulement là, écoutez le soco. Même partager 15 000 étoiles. Et on saccage tout. Donc, tout à l'heure, avant d'entrer dans le soco, en attendant que ça atteigne 15 000 étoiles, parce que moi, je ne peux pas parler d'un sujet qui est délicat, sans avoir, c'est-à-dire que vous-même, c'est vous qui avez commencé à rancher, c'est-à-dire que vous-même, vous savez que vous soutenez l'émission, vous payez le renchissement de l'émission à partir de 10 000 étoiles en montant. Aujourd'hui, on a décidé avec 15 000 étoiles. Balancez-nous 15 000 étoiles et puis on lance le soco. Maintenant, les gens qui veulent pleurer sur la toile pleurent. On ne sera plus là pour essuyer les larmes. On ne sera plus là pour dire que ouais, on aurait à balancer. Je passe un peu au sujet suivant. Ça va un peu aller à l'encontre de ce que je veux balancer. Un peu. Alors, vous savez que maintenant, j'ai le matériel, non? Tac, tac, tac. Ce n'est pas les choses qu'on vient des États-Unis. On vient des États-Unis, on n'est pas prêt. L'émission a tout son matériel. Non, tu n'as pas encore raté, Choupinette. 15 000 étoiles, il nous reste 4 000 étoiles. Il n'y a personne pour doser 4 000 étoiles, là, on quitte tout ça. Hey, mes tatas, vous êtes fatigués, mes tatas. Coucou, tata Josiane, la tata de princesse. Merci, amie Tissier, la Sénégalaise. Alors, mes amours, je vais commencer par vous informer ce soir que il y a un endroit sur quand tu regardes le direct, il y a un endroit que l'étoile est dessinée là-bas. Tu cliques souvent, tu cliques là-bas, on te demande combien tu vas envoyer, tu sélectionnes. C'est la guerre des étoiles ce soir. Ok, envoie-moi en cash, tata Florence. Voilà mon orange. Non, hey, j'ai enlevé. Bon, ce que j'ai épinglé est plus important que... Parce que c'est pressé. Voilà mon Orange Money que j'ai envoyé. Donc, pour soutenir l'émission, tu peux aussi faire Orange Money. C'est vrai, tu as le choix. Donc, bonsoir tata Florence, Yebga. Ah, c'est ma tata Florence. J'ai d'abord confiance. Ouais, les abeilles. De la mafou. Donc, j'aimerais vous dire ce soir que faites très attention aux personnes différentes qui vivent au Cameroun. Faites très attention
quand vous vous attaquez aux handicapés, entre parenthèses. Je vous rappelle tout de suite aussi que nous avons un match tout à l'heure à 23h59 sur la page de la Mafoflore de Lille sur TikTok. Voilà ça que c'est épinglé. Le nom de sa page est dans le commentaire là. N'oubliez surtout pas. Les personnes handicapées sont protégées au Cameroun. Je vois souvent les gens restant en Bengue dire que je vais envoyer les gens te taper. Nyatche malade. Je vois souvent les gens. Ils disent que je vais envoyer les gens te taper. Je vais payer quelques policiers commandos, ils vont te taper. Je vais faire ceci. Tu es là-bas au Cameroun, tu n'es même pas protégé. La honte. La honte. Le truc, c'est que on ne se moque pas des gens. Sinon, je me serais bien moqué de vous. Parce qu'à chaque fois, c'est vous qui venez au Cameroun, on vous arrête. À chaque fois, c'est vous qui venez au Cameroun, on vous coffre. Vous payez. C'est rare. Parce que nous qui vivons au Cameroun, là, nous, on connaît hein, les lois camerounaises. Coucou, ma sister Kota du Japon. 15 000 étoiles, objectif d'aujourd'hui, mes cœurs. Vous ne pouvez pas suivre votre émission comme ça. Avec 4 000 étoiles, reste 4 000 étoiles, vous suivez votre émission. Votre émission que vous avez pris, déposée en haut comme ça. Vous suivez votre émission à cause de 4 000 étoiles. Non, vous ne pouvez pas. Je disais tantôt, ce que je dis est très important. Vous passez le temps à dire que c'est là au Cameroun. Moins de choses, on va t'enfermer. On envoie seulement 10 000, on t'enferme. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Le Cameroun n'est pas comme vous pensez. Le Cameroun, c'est un pays de droit. Peut-être qu'ils ont... Peut-être qu'on a... Oui, nous, on a nos défauts à dénoncer. Mais du côté du droit, le Cameroun est le pays le plus renseigné, le plus fort dans le renseignement en Afrique. Et peut-être dans le monde. On vous a déjà dit ça fatigué. On vous a déjà dit ça fatigué. Là où je travaille chez la Diosa, elle paye tous ses papiers. Tu ne payes pas tes papiers. On arrive un matin, on coffre ta boutique. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, là, on ne jongle rien. Et l'handicapé que vous voyez au Cameroun ne paye pas les impôts. Ça, c'est d'abord quelque chose que vous devez comprendre que ça vous parle. Je sais qu'il y a d'autres qui n'ont pas fréquenté. Mais il ne s'agit pas de fréquenter pour comprendre que l'handicapé au Cameroun est protégé. Les mots que vous sortez envers les handicapés, quand vous êtes en Bengue, ici, là, ça vous condamne propre. Parce que l'handicapé même ne paye pas les papiers au Cameroun. Peut-être seulement sa carte d'identité. C'est peut-être oui, les trucs d'identité. J'ai demandé que 15 000 étoiles, c'est en valeur de combien? Je ne sais pas, 150 euros, je ne sais pas trop. 15 000 étoiles, ça doit être dans les 150 euros ou bien je ne sais pas trop. Ou 500 euros, je ne sais pas. L'handicapé est protégé dans ce pays plus que les citoyens lambda. Merci, c'est 150 euros. Mais vous blaguez, vous nous insultez n'importe comment, au point où vous ne faites même pas la différence entre l'handicapé et les gens qui vivent au pays. Quand la lionne veut parler, vous dites qu'elle ferme ta bouche. Tu blagues. Donc, paisement, un gars, il vient te taper. Je vais donner mes fesses, on va venir te taper. 150 dollars, merci, Cameroun, Afrique, Japon. Si tu blagues, on vient te prendre là-bas, on te tape. Il y a les situations au Cameroun que tu négocies, tu peux ongata.
tu négocies, tu pars au Ngata. Mettez 15 000 et toi, je tape sec. Pour le moment, je rôde encore autour du sujet. Je répète, il y a les situations au Cameroun. Que tu négocies n'importe comment, tu descends. Tu tombes, tac. Vous avez compris avec quoi? Je me fais comprendre? Je répète, il y a les situations au Cameroun. Il y a des choses que vous faites quand vous arrivez au Cameroun. Tu vas négocier chez un. Il va te dire que va voir le grand frère. Tu arrives là-bas, on te parle le patois. Tu crois que tu es là-bas, c'est là où tu vas finir avec. On t'envoie encore chez un autre. Tu arrives là-bas, tu dis que tu rôdes encore. Tu pars, on te dit que non, va voir le grand frère. Quand on commence à te dire déjà ça, ça veut dire que on veut top tes deux. C'est un, tu vas seulement respecter la loi. Qui va miser sur ton poste? L'argent que ses parents ont dépensé pour toi. On va bien te chop. Angie dit que la Lyon, tu ne m'apprends rien en France. Je dis bien ceci. Vous avez là, en Europe, de dire qu'au Cameroun, c'est facile. On peut t'enfermer. On peut payer avec les fesses. Vous connaissez bien la situation de l'Europe. Mais il y a certaines personnes qui négligent la situation du pays. Ils se disent qu'au pays, ils peuvent tout payer. Avec les relations, ils peuvent tout faire. C'est alors comme ça que certains tombent dans le trou. Ils tombent jusqu'à soulever les pieds. Avant de dire, hop, ouvrez les yeux, que ça cuit. Avant, coucou Marie, Marie-Claire. Avant d'ouvrir les yeux, que wow, avant que vos présidents ne susautent, si ce n'est pas les présidents comme le président Amotu, tu es déjà tombé. Il y a les présidents que tu pars tout dans les clubs tarot de Douala, tu les trouves. Mais sur Facebook, ils sont les présidents. Oui, je vous dis la vérité. 15 000 étoiles. Nous sommes encore à 11 000, 15 étoiles. Il y a les situations au Cameroun que tu appelles. Même certaines relations, on te dit qu'on ne, on te dit qu'elle ne m'appelle plus. On te dit qu'elle ne m'appelle plus. On t'arrête même, toi qui appelles même pour négocier. Tentative de corruption. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Il y a les situations que quand ils regardent, surtout nous les blogueurs, quand on connaît qu'il y a déjà les yeux des gens sur ça. Tu viens pour choquer, on dit que ah, c'est toi qu'on dit que sur la toile, on a entendu que Chouka. Peut-être que c'est toi même déjà appelé les autorités. Si l'affaire là vient devant toi, tu tentes de toucher, tu tombes avec ta perruque. Dès que tu arrives avec tes doigts, on te dit qu'on ne négocie pas. On te dit qu'elle va voir le grand frère. Je profite pour vous sensibiliser des choses du pays. Parfois, vous vous mettez là-bas en bengue. Vous valorisez les gens ici au pays qui mangent les tarots dans les poula-poula. Mais c'est vos présidents. C'est quand vous avez les vrais problèmes. Parce qu'il y a les riches et les anciens. Il y a les nouveaux riches et les anciens riches. Oui. Il y a même les anciens riches qui se respectent. Un comme le président Amotu, seulement son nom, ça impose. C'est pas parce que c'est Amotu, non. Ça a d'abord le goût. Son comportement va avec. Même monsieur Messangla, il a même le charisme que parfois il se met devant toi comme ça, tu as même peur. Mais il y a les anciens riches que chaque fois tu les croises dans les poula-poula et tu cherches les problèmes, tu comptes sur eux. Tu pars dans tous les clubs.
quartier, tu les trouves.